Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui sera présentation de mon sac de pansage. Donc je vais commencer par ma cravache qui est dans la petite anse vu qu'il n'y a pas de place pour la mettre. Donc c'est une cravache qui vient de chez Decathlon, donc avec un embout comme ceci, donc elle est noire et elle a une petite dragonne. Ensuite, le sac, il est de marque Fugenza. Ici, on a un petit logo 1976 Fugenza Emotion. Et il est équipé du Clean System. Donc, qui consiste avec un système de fermeture, on ouvre. Et ça récupère toute la poussière grâce au filet. Donc, c'est très pratique. Ensuite, on peut le porter soit avec la petite anse, soit en bandoulière. Donc, comme ceci. Donc, à l'intérieur, tout d'abord, j'y mets ma bombe qui vient de chez Decathlon, donc de marque Fugenza. On a un petit logo ici, Horse Riding Fugenza 1976. Et voilà, donc elle est marron, toute simple. Donc, le sac est équipé de 4 compartiments et d'une petite poche. Donc, dans la petite poche, je mets 2 paquets de mouchoirs. Ensuite, donc je les enlevais. Ici, je mets un petit sachet où dedans il y a des friandises, mais je n'en ai plus, il faut que j'en rachète. Ici, je mets mon étrimol, donc noir, toute simple. Mon cure-pied, donc avec une pointe carrée. Ici, on a une éponge. Ensuite, une brosse de tête que j'utilise comme brosse à sabot. Et un peigne en plastique que je n'utilise pas. Ensuite, dans ce compartiment, on a un scratch où dedans je mets ma brosse à crin, donc qui est de marque Oster. Donc j'utilise une fois par semaine pendant le temps que je brosse la crinière, qui sont très emmêlées. Dans mon club, ils ont les crins très emmêlés et franchement, elle a toujours tous ses picots, donc c'est super pratique. Ensuite, on a les trifalandaises, donc grises, toute simple. Le bouchon, donc avec les poils gris de marque Ekeri. Ensuite, on a la brosse douce, donc de marque Ekeri, donc comme ceci. Ensuite, dans le dernier compartiment, je mets tout d'abord mon licol, donc comme ceci. Donc, il est rouge et bleu marine avec la moumoute. Donc, la moumoute, il y en a sur la muserolle, les deux montants et la tétière. Il est de taille 2. Ici, on ne voit pas très bien. Ensuite, toujours dans ce compartiment, j'ai la longe qui va avec le licol, donc rouge. Donc c'est une longe avec un mousqueton ici. Donc c'est une longe toute simple américaine. Et ensuite ici, on a un autre scratch où je mets mon pinceau qui n'a jamais servi vu qu'il faut que j'achète de la graisse à ça. Hop. Et voilà, donc maintenant je vais vous montrer vite fait comment je range tout. Donc tout d'abord je mets les 2 paquets de mouchoirs dans la petite poche ici. Donc on peut aussi mettre son portable, mais je ne le mets pas pour l'instant vu que je n'ai pas d'équitation. Ensuite, ici je mets les friandises, donc le sachet ici. Ensuite, ici, je mets le peigne, l'éponge. Ici, il me reste une petite place, je mets la brosse de tête. Ici, ensuite, je mets mon cure-pied et par-dessus tout ça, je mets mon étrimol. Dans ce compartiment, je prends mon bouchon et ma brosse douce, je les mets à deux et je les place au fond comme ceci. Ensuite, je prends ma brosse à crin que je place dans le petit scratch. Voilà. Ensuite, je place mon étrifalandaise. Dans cette poche-ci, tout d'abord, je mets ma longe. Donc, comme ceci, au fond. Ensuite, je mets mon pinceau dans le petit scratch également. Donc, voilà.
ensuite, je mets mon licol. Donc, je place la tétière à côté, comme ceci. Et ensuite, je le plie pour qu'il rentre. Donc, d'abord, je mets ça comme ça. Et ensuite, je replie ça ici. Ensuite, je place ma bombe au-dessus, comme ça. Je referme mon sac. Et ma cravache dans la petite panse. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.